CSS. Alors déjà, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le CSS, de manière basique, donc CSS, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Cascade Style Sheet. C'est tout simplement, lorsqu'on développe des pages web, on a besoin de faire du rendu graphique, faire des choses jolies ou pas. Et donc, du coup, c'est le but vraiment de CSS. On a aussi une possibilité de pouvoir imprimer des choses, c'est-à-dire lorsqu'on veut imprimer une page web, il est aussi possible de pouvoir l'imprimer au travers du CSS. On va mettre des instructions différentes et on va pouvoir imprimer un rendu différent de la page web qu'on visualise. Tout ça, on va dire que c'est obligatoire pour éviter de retomber dans les années 90 avec des sites au fond blanc et du texte noir. Donc c'est quand même une belle évolution. Et dans ces évolutions, juste avant, un exemple de code. Donc de manière ultra simple, je vous ai donné deux exemples sous format de classe qui permet de déclarer du CSS. Je pense que vous l'avez vu assez souvent dans vos projets si vous faites du développement web. Juste pour qu'on soit OK sur les termes, ce qu'on retrouve ici, c'est le nom de la classe avec ce qu'on appelle un élément. Là, ça va être notre attribut et notre valeur. Voilà d'exemples de sites des années 90-2000. Donc c'est des choses qui étaient jolies à l'époque, qui sont très flashy. On aime ou on n'aime pas. Perso, c'est pas ce que j'aurais tendance à vouloir faire. Il y a des choses quand même beaucoup plus sympas qu'on peut faire avec du CSS, par exemple ceci. Donc ça, c'est via des frameworks de nos jours, où on peut avoir des rendus qui sont beaucoup plus simples, épurés. Là, c'est sous format de flat design, mais voilà, j'ai quand même une tendance à préférer ce genre de présentation. Et tout ça grâce avec du CSS. Donc, comme je disais, le CSS a bien évolué. Il est venu avec l'apparition d'HTML. Et donc, il y a un groupe de travail, le consortium W3C, qui travaille sur différentes versions. Ils ont démarré en 97 sur le CSS 2, puis ensuite en 99 sur le CSS 2.1, l'évolution. En fait, c'est le CSS qu'on voit de nos jours, c'est quand on parle de CSS, c'est de cette version-là qu'on parle. En 99, ils ont lancé une évolution de ce CSS pour avoir des choses un peu plus poussées, parce que c'est très simpliste, on peut faire pas forcément des choses très évoluées avec le CSS. Notamment, CSS 3 va nous apporter des choses de transformation, des petites animations, des choses un peu plus sympas, en s'affranchissant du JavaScript. CSS 4 est dans les tuyaux depuis 2010, on est en 2019. Donc, preuve que ça prend un petit peu de temps pour faire avancer les choses. Un exemple, donc on a parlé de CSS, comment est-ce que concrètement on fait du CSS? Alors on voit, comme tout à l'heure je vous ai voir la déclaration d'une classe avec son sélecteur et sa valeur. Et après, au sein de la page HTML, il y a deux choses à faire. Intégrer le fichier, on part du principe que le CSS est dans un fichier et non dans la page HTML. Et on rajoute le nom de notre classe, si c'est une classe, un ID, si c'est un ID, etc. Ultra simple. Maintenant, je vais vous parler de quelque chose qui est peut-être un peu moins connu de vous tous, c'est Specificity. Specificity, qu'est-ce que c'est? C'est une méthode pour calculer les priorités au sein de CSS. Vous avez la plupart utilisé du CSS et la plupart, vous êtes tombé face à des fichiers CSS monstrueux. Peuvent faire plusieurs centaines voire milliers de lignes et on ne sait jamais qu'est-ce qu'il faut modifier. Qu'est-ce qu'on fait? Généralement on rajoute un attribut et on va surcharger le composant, rajouter une classe. Ok, ça c'est bien, mais sauf que ça va rendre le code moins maintenable et on va du coup à chaque fois rajouter des choses sans modifier et comprendre ce qui existait auparavant. Specificity, lui, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va prendre justement tout ce gros fichier et il va regarder et mettre une pondération sur chaque élément en disant: si j'ai plusieurs classes sur un même élément HTML, lequel je prends? Lequel je vais appliquer le style? Ça va être intéressant dans le cas où on a notamment des mêmes sélecteurs, par exemple la couleur du texte. Donc qu'est-ce qu'il fait? Sur trois digits, il va prendre trois informations. Ces trois digits vont faire un chiffre entre 0 et 999. Et plus le chiffre est important, et plus il aura tendance à prendre ce CSS. Le premier, c'est l'ID. Donc si dans notre CSS on met dièse quelque chose, ça c'est un ID, donc du coup ça a une valeur 1, donc on part sur un chiffre de 100. Ensuite sur le deuxième digit, ça sera le nombre de classes, si on utilise la syntaxe point quelque chose. Et ensuite les pseudo-éléments ou les attributs. Et enfin, la pondération la moins importante, c'est le nombre d'éléments et les pseudo-éléments.
Alors là, ça paraît un peu flou, on verra des exemples juste après, mais sachez qu'il y a aussi des opérations sur 4 ou 5 digits, puisqu'il y a des éléments qui sont vraiment plus importants au sens de spécificité, donc c'est-à-dire la compréhension que le navigateur a des CSS. Et si on rajoute les styles inline, c'est-à-dire qu'on ne va pas passer par un fichier CSS, mais passer par du style dans la page, et bien là, du coup, on est beaucoup plus important et on va surcharger les éventuelles classes qu'il y a dans les fichiers. Et le must, c'est le important, on y reviendra juste après. Specificity, pas facile à dire, .com donne des petits exemples de choses qui peuvent être. Non, c'était pas ça. Voilà, ils font des petits exemples de comparaison. Donc au niveau des pondérations, en fonction de si c'est un wildcard, si c'est un élément div, donc hop, il y a juste le dernier numéro qui est incrémenté, s'il y en a plusieurs avec des éléments descendants, etc. Donc ce site reprend des petits exemples, histoire de vous familiariser avec Specificity. Ça peut être pas mal de comprendre le concept. Non, c'est bon. Donc par contre, il y a des exceptions, bien sûr. Il y a des éléments dans le sélecteur CSS qui ne sont pas pris en compte. Le wildcard, le plus, le inférieur, le tilde, voilà, je vous les passe, vous les avez affichés. Ceux-là, ils n'auront pas d'impact sur la notation specificity sur les fameux 3 digits. Et si jamais on tombe sur un fichier qui aura la même pondération specificity, il va prendre le dernier parcouru parce que c'est une fois qu'il aura parcouru le fichier qu'il va prendre la dernière valeur. Donc quelques exemples, vous les retrouvez sur le site dont je vous ai voir la référence tout à l'heure. Là par exemple, sur le premier, eh ben, en fait, on va regarder qu'est-ce qu'il y a. Donc là on a un élément, ensuite là on a un attribut, eh ben, on va effectuer cette pondération en fonction de ce que je vous expliquais. Est-ce que c'est un ID? Non. Est-ce qu'on a une classe? Non plus. Ah, par contre on a un élément H1. Ok, qu'est-ce qu'on a ensuite en termes de dernière pondération? Et bien là, en fait, on a un attribut. Et c'est comme ça qu'on va calculer la spécificité. Là, par exemple, sur celui-ci, l'élément note ne sera pas pris en compte dans la pondération. Et donc, du coup, c'est ce que j'ai mis. Le numéro 3 correspond à 9 bar, UL et LI, et on ne prend pas l'élément A. Quelques bonnes pratiques que moi j'essaye de mettre en place, c'est d'essayer de rendre son code générique, c'est-à-dire essayer d'utiliser des classes plutôt que des ID. Pourquoi ? C'est que en fait on va essayer de créer un style, par exemple prenons l'exemple du bouton. Le bouton dans notre application, généralement il aura toujours la même tête. Donc autant lui mettre une classe et à chaque fois que vous allez utiliser un élément HTML de type bouton ou une div qui fera office de bouton, appliquez-lui ce style et du coup vous allez avoir quelque chose qui sera plus générique. Donc pas utiliser l'ID. Alors vous pouvez, mais c'est pas forcément préconisé, sauf si vous voulez faire de la surcharge grâce à Specificity dont je viens de vous parler. Et ne surtout pas utiliser le important. Moi c'est quelque chose auquel j'essaie de faire la chasse. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus simple. En effet, moi à une époque je mettais des coups d'important partout pour surcharger notamment le framework CSS. Prochaine étape. Et en fait c'est que du coup on n'essaye pas de comprendre comment fonctionne le CSS, on override à chaque fois les fonctionnalités. Et donc, est-ce que les frameworks CSS sont utiles ou est-ce qu'ils répondent à nos besoins par rapport au fait qu'un framework CSS va toujours proposer des styles de base, mais qui la plupart du temps ne correspondent pas à ce que vous voulez implémenter. Vous avez par exemple Bootstrap qui va vous proposer un bouton bleu, mais ce n'est pas exactement ce bleu que vous voulez modifier la couleur. Donc vous allez surcharger son comportement, vous allez mettre un important. Est-ce que c'est bien? Je pense qu'il y a d'autres solutions. Donc là, un exemple, imaginons que notre framework CSS, il est cette classe qui dit sur le texte de mon LI, je lui mettrai une couleur rouge. Moi, par-dessus, je rajoute ça, une classe sur mon élément. À votre avis, ça va être du rouge ou du jaune qui va être appliqué sur mon style? Exactement, c'est du rouge. Même si le jaune est en bas, pourquoi? Parce que encore une fois, on utilise Specificity qui va faire la pondération. Si, imaginons, sur le LI, on avait cette classe,
et ben en fait, il va essayer de comparer les deux parce qu'il va essayer d'appliquer les deux et il va dire lui il est plus important donc j'applique lui. Lui on l'oublie. C'est quand même plus sympa de faire ça que de mettre un coup d'important. Des fois le important est nécessaire, mais au maximum essayez de l'éviter. Je vous ai mis un lien. Là, il est pas mal celui-ci, c'est qu'en fait vous mettez votre sélecteur. Par exemple, voilà, là je vous ai mis celui qui était monstrueux. Et ben en fait, il vous dit l'ID, c'est lui, les classes sont là avec la pondération sur les trois digits dont je vous parlais. Donc voilà, vous avez juste à coller votre sélecteur, dire votre sélecteur, et du coup vous allez trouver la pondération associée. Donc du coup, qu'est-ce qu'on doit faire? Déjà, ne pas utiliser important, comme je viens de le dire, je pense que vous l'avez compris, c'est vraiment en dernier recours. Moi, ce que j'ai l'habitude de faire maintenant, c'est utiliser des frameworks avec architecture 7.1. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous ai mis un petit lien si vous êtes intéressé pour en connaître un peu plus. C'est juste décomposer en fait votre framework avec des éléments de base. Lorsque vous allez vouloir surcharger le comportement de votre framework CSS, vous allez surcharger uniquement une partie, par exemple le layout. Donc tout ça, c'est normé par cette guidelines. Et du coup, vous allez pouvoir surcharger vraiment ce dont vous avez besoin. Vous avez, pour vérifier ce que vous faites, un validateur, comme le validateur HTML. Vous avez un validateur CSS pour vérifier que vous ne faites pas de bêtises. Alors, ce CSS, c'est bien. On peut faire des choses plutôt simples. Et justement, son défaut, c'est qu'il n'est pas objet. Donc, dès qu'on veut faire de l'héritage, ou pour l'exemple du bouton, si on voulait avoir deux types de boutons, mais qu'on ne veut pas réécrire nos 10 lignes d'attributs CSS, et ben en fait, ça serait bien de faire de l'héritage. Ça, en CSS pur, c'est pas possible. Cependant, ça, ces CSS viennent à notre secours. Et moi, je sais que je les utilise. Et il y a une phase de conversion de ce langage vers du CSS compris par les navigateurs qui est forcément obligatoire. Mais en tout cas, on peut faire de l'héritage, faire des choses bien plus poussées même, qui rendent le CSS très utile. Un site que vous connaissez peut-être, c'est le Can I Use. Vous avez tout simplement à mettre à cet endroit le nom de l'attribut HTML5 ou CSS. Là, j'ai pris un exemple des grids. Et en fait, vous allez avoir automatiquement la compatibilité de chaque navigateur, que ce soit bien du desktop, du mobile ou autre. Et on voit que ben, y a certains, en fonction justement des projets sur lesquels vous travaillez, vous avez peut-être des vieux browsers à supporter. Donc faites attention quand vous utilisez les sélecteurs CSS3 notamment, il y a encore des choses qui ne sont pas compatibles. Je termine par la sémantique que j'ai mis en place lorsque j'utilise du CSS, c'est BEM. Je ne sais pas si vous connaissez cette syntaxe, c'est pour définir bloc élément modifieur. C'est une syntaxe qui peut paraître un peu longue lorsqu'on l'écrit dans l'HTML, puisque le nom du sélecteur va être assez important. Mais par contre, je l'utilise toujours sous format de classe. Par contre, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir vraiment comprendre comment on a structuré notre CSS. Par exemple, le bloc, ça peut être le header, donc notre menu, le header au sens plutôt HTML5. L'élément, ça peut être par exemple un élément de notre menu. Et le modifier, ça va être lorsqu'on va vouloir modifier l'état de notre bouton en fonction de si on clique, si on l'a visité, etc. Les choses aussi que j'utilise, ça c'est vraiment à titre perso, j'utilise G pour dire que c'est une classe générale, quelque chose qui va être appliqué pour tous les composants, pas forcément pour cette page ou cette fonctionnalité. Et JS, je l'utilise notamment pour GTM, Google Tag Management, qui va vous permettre d'injecter un comportement sur une classe. Et donc ça, c'est pour dire que cette classe, ça n'a pas un but de style, mais un but de comportement. Comme ça, si jamais j'ai besoin de rajouter du style sur un élément où il y a une classe JS, je ne vais pas modifier cette classe JS parce que je sais qu'elle a juste pour but un comportement JS. Je vous remercie, pile dans le timing. Je m'appelle David Rigaudy, je suis développeur et créateur de la société iTarverne. Nous faisons des développements d'applications métiers et spécialisés en Python. Merci. C'est toujours long en fait, la date est toujours repoussée. J'ai pas forcément trouvé de date à laquelle il propose une release, mais ça met du temps à arriver.
Alors il y a en fait il y a des bêtas, donc chaque browser va implémenter une fonctionnalité et ils vont rajouter un préfixe -o pour Opera, -webkit pour WebKit, etc. Ils ont chacun un préfixe qui vont permettre de tester cette fonctionnalité, mais toutes ne l'implémentent pas. C'est pour ça que le site Can I Use est pas mal. Vous allez pouvoir voir si vous allez pouvoir la tester, si elle est vraiment supportée en mettant ses préfixes ou pas du tout. CSS, notamment pour tout ce qui est variable, faire des mix-in, utiliser mes viewports en fonction de si c'est sur mobile ou si t'es sur desktop. Donc moi j'utilise CSS en effet, ouais. Tout le temps CSS. C'est-à-dire Oui. Si. Moi j'utilise, c'est par exemple quand je démarre une nouvelle application. Il a son style, sa charte, et du coup il y a par exemple des dominantes de couleurs, et j'ai créé trois variables qui vont me donner les dominantes de couleurs, et ces variables je les réutilise après dans mon CSS. Comme ça, au lieu de faire le color de point dièse et ton code hexa, tu fais ton dollar et le nom de ta variable. Comme ça, tu as le modifié à un seul endroit, et du coup après c'est appliqué partout. C'est l'avantage, en fait c'est un thème, c'est ton thème que tu crées comme ça. En fait, Specificity, c'est implémenté par les browsers. C'est-à-dire qu'en fait, eux, quand ils voient du CSS, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, ils vont le lire et ils vont regarder en fait quel style ils doivent appliquer sur les éléments HTML. S'ils voient qu'ils ont plusieurs styles à appliquer, et en fait, ils vont regarder ce fameux Specificity. C'est-à-dire qu'ils vont regarder ce qu'il y a avant le accolade et ils vont pondérer ce qu'ils voient pour essayer de dire mais lequel est plus prioritaire par rapport à l'autre. C'est ça qu'ils vont regarder. Donc là, c'est Oui. Non. C'est natif, ça, c'est natif. Amusez-vous sur vos classes à jouer avec le Specificity et vous allez voir, c'est magique. Et c'est implémenté nativement. Je pense que moi, j'ai découvert il n'y a pas longtemps et je me dis, ah oui, c'est quand même bien mieux que de mettre des importants. Et c'est vrai que c'est des choses qui ne sont pas forcément très connues, mais qui sont vraiment pratiques à utiliser. C'est couplé avec la notation BEM que j'utilise qui va permettre justement de nommer d'une manière un peu plus claire à mon sens les éléments que tu mets dans ta page HTML, puisque en fait on va avoir une arborescence à se dire mon élément il est rattaché à un bloc et ce bloc on essaie de lui trouver un nom qui est plus parlant. Donc quand on est dans l'HTML on peut voir à peu près à quoi correspond le style, par contre dans un fichier CSS ça peut paraître un peu obscur et d'avoir cette notation ça permet de rattacher le style qu'on a mis dessous à un élément. Mais en effet, Specificity ne résout pas cette problématique. Ça apporte un élément pour essayer de comprendre éventuellement d'autres sélecteurs qui ont été créés un peu plus haut dans le fichier et essayer de voir si on ne peut pas modifier justement ces attributs de ce sélecteur au lieu d'en créer un autre. Merci.